Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler de Le garçon en pyjama rayé de John Boyne, publié aux éditions Folio Junior. Ça fait très longtemps qu'il était dans ma pile à lire et je suis super contente de l'avoir enfin sorti, de l'avoir découvert. Il faut savoir que ça se lit très très vite, c'est un roman jeunesse et en plus de ça, il fait 200 pages. Donc si vous avez du temps devant vous et que le résumé vous tente, n'hésitez pas. Dans cette histoire, nous allons suivre un petit garçon qui s'appelle Bruno, qui a 8 ans et qui est super content de sa vie de petit garçon. Il habite avec sa sœur, ses deux parents à Berlin, dans une belle maison de 5 étages. Il est super content de cette maison, il y a plein de choses, plein de pièces à découvrir, à explorer. En plus de ça, il a 3 meilleurs amis à Berlin, il est super heureux. Et un jour, en rentrant de l'école, il va voir Maria, qui est du coup la bonne de la famille, en train de ranger ses affaires dans des cartons et des caisses, et il cherche à savoir pourquoi elle fait ça alors que d'habitude elle ne le fait pas. Et donc, sa mère va annoncer à Bruno qu'ils vont devoir déménager très vite pour le nouveau travail de leur père et qu'ils vont devoir tous suivre le père de famille pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Et donc, Bruno, petit comme il est pas du tout content de devoir abandonner ses 3 meilleurs amis, d'abandonner la maison qu'il adore depuis tout petit. Et il a absolument pas envie de suivre sa famille et de partir loin d'ici. Comme vous pouvez vous en douter, il s'agit d'un petit garçon de 8 ans, donc il n'a pas forcément le choix, et donc il va devoir être amené à déménager et à suivre toute sa famille. Et en fait, au début, on ne sait pas vraiment le métier du père, et puis au fur et à mesure de l'histoire, on va enfin comprendre de quoi il s'agit. En gros, la famille va débarquer dans une maison, et devant cette maison, il y a un grand mur barbelé, et de l'autre côté, on a des petites maisons avec plein d'hommes, plein de petits garçons qui sont habillés en pyjama rayé. Et donc, c'est vraiment deux mondes complètement différents. D'un côté, on a une maison où il n'y a que 4 personnes qui y habitent avec le majordome et la bonne de la famille, donc en gros 6 personnes. Et de l'autre côté, on a des petites maisons avec plein d'hommes et de petits garçons. Donc déjà, ça, c'est très contradictoire. D'un côté, on a peu de monde, de l'autre côté, on a beaucoup de monde. Et puis en fait Bruno s'ennuie énormément, voilà, il n'est pas content d'être là, il le fait savoir à ses parents, donc ses parents se fâchent contre lui, etc. Et puis au bout de quelques mois, il décide enfin d'aller à l'extérieur, prendre l'air, explorer les horizons, et puis il va marcher le long du mur barbelé, et il va tomber sur un petit garçon en pyjama rayé de l'autre côté de la barrière, qui est en train de jouer dans le sable, dans la poussière, et donc il va commencer à se lier d'amitié avec ce petit garçon. Je n'irai pas plus loin concernant le résumé parce que je pense que j'en ai dit assez et je pense que si je vous en dis plus, ça va vous spoiler et c'est pas mon but. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Alors, je peux pas dire que je suis en grande admiration devant ce bouquin, que c'est un énorme coup de cœur parce que ça serait vous mentir. Je pense que sincèrement, le livre aurait fait un peu plus de pages, ça aurait été un pur coup de cœur parce que j'aurais eu le temps de m'attacher à tout le monde. Au personnage de Bruno, au petit garçon, à sa sœur, etc. Là, c'est vrai que 200 pages, on sent que l'auteur va à l'essentiel. L'auteur prend le temps pour mettre les bases de son histoire au début du roman. Les personnages sont quand même bien développés, ils ont tous des caractères différents. Il y en a qui sont gentils, d'autres un peu plus méchants, mais voilà, ils ont tous un rôle à jouer dans l'histoire. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que l'auteur va à l'essentiel, il y a de l'action, c'est bien rythmé, puisque je trouve que voilà, on n'est pas allé dans une histoire très très courte où il manque beaucoup de choses et que c'est allé trop vite. Non, pour le coup, je trouve que c'était très bien rythmé, que tous les éléments de l'histoire qui étaient importants à l'histoire étaient présents, donc pour le coup, je peux rien reprocher à l'auteur, mais je sais que les 200 pages ont passé à une vitesse, parce que j'étais vraiment prise dans ma lecture, que du coup, en fait, j'étais un petit peu déçue d'avoir fini ce bouquin un peu trop vite, et que s'il y aurait eu 100 pages, même si peut-être que ces 100 pages auraient été de trop, peut-être qu'il y aurait eu des descriptions inutiles à l'histoire, je le cache pas, mais ça aurait été avec plaisir de continuer de suivre les personnages, leur histoire, etc. Pour vous avouer, je pense que je me souviendrai pendant pas mal de temps la lecture de ce bouquin, parce que la fin est juste touchante et horrible. J'ai dû relire plusieurs fois le chapitre pour être bien sûr de comprendre ce qui se passait.
Et en fait, ben, j'avais beau relire le chapitre une, deux, trois fois, ben, en fait, j'en revenais toujours à la même conclusion et je me disais, mais non, l'auteur n'a pas pu faire ça à ses personnages, c'est pas possible. Et ben si. Et maintenant, je sais qu'il me reste une seule chose, c'est de voir le film et en espérant de ne pas craquer devant le film. Je sais qu'il était disponible il y a un petit temps sur Netflix, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, si le résumé vous tente, n'hésitez pas à lire ce bouquin ou au moins d'aller regarder le film, je pense que ça pourrait fortement vous plaire. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé, j'espère que je vous aurai convaincu à lire cette histoire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire également si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!